Bonjour, monsieur l'agent. Et si on montait dans votre véhicule pour parler plus tranquillement? Bon, les journalistes ne vous ont pas écouté. Ils ont dit que c'était nous, l'attaque sur la base militaire. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez les obliger à retirer leur putain d'article de merde. Oui, nous allons le faire. Mais monsieur Grills, sachez bien une chose. À la seconde où vous perdez votre moyen de pression, toute la police de cette ville vous tombera dessus. Ah, j'ai hâte. Mais je sais que le maire, c'est un putain de mafieux. Et qu'il menace la vie de vos familles. C'est pour ça que vous le couvrez. Bref, ça te regarde pas. Maintenant, descends, français de merde. Hé, t'énerve pas. C'est pas de ma faute si t'arrives pas à faire jouir ta femme. Aïe, aïe, aïe. Putain, ça part en couille. Bon, allez, je vais m'acheter de nouveaux habits, moi. C'est parti. Voilà, ça c'est classe. Bon, je vais aller voir ma secrétaire, Jessica. Voir si l'achat de l'appartement s'est bien passé. J'en avais marre de vivre dans des bureaux, putain. Hier, Tanguy George a vendu le véhicule. Il nous a versé 5 millions de dollars comme convenu. Votre atelier de cocaïne se porte à merveille. Les hommes et les femmes qui y travaillent font du bon boulot. Donc, grâce à vos activités, nous avons plus de 8 millions de dollars sur le compte de l'entreprise. Vous aviez 1 800 000 sur votre compte personnel, mais celui-ci est désormais à 800 000 car l'appartement que vous m'aviez dit de vous acheter était à 1 million de dollars. Ah, c'est parfait. Merci, Jessica. Vous gérez, bordel de merde. Vous gérez à la perfection. Putain de merde. Waouh, ouais. Waouh, il est vraiment magnifique. Oh, c'est une dinguerie. Oh, putain de sa mère, j'ai envie de... Putain, en France, mes comptes ne dépassaient même pas 500 000 euros. À ce temps-là, en Europe... Allez, je m'en sers un coup. Aurélien Grills et Tanguy Georges, vous êtes des hommes morts. Mes hommes n'arrivent pas à tuer deux imbéciles. Et Madrazo est introuvable. Merde. Putain, je vais tout faire péter. Je vais les détruire. J'en fais la promesse devant le diable lui-même. Bah alors, les Lost, ça vole le stock de ma façade légale? Knuckles for you. Ah!
Bon ben, je vais devoir appeler la femme de ménage. Allez, Lost. Ça, c'est le business.